Bonjour, je m'appelle Tristan Boulanger, j'ai 20 ans et j'ai étudié au lycée Georges Brassens de la seconde à la terminale. Ce lycée m'a réellement permis de me professionnaliser dans ma passion, la musique. Je suis actuellement élève au CNSM de Paris en musicologie. Je donne parallèlement des cours de formation musicale au conservatoire de Croissy-Beaubourg et je passe actuellement mon DEM de trombone à la fin de l'année. J'habite en banlieue parisienne, à Noisiel, et je mettais environ 1 h 30 pour faire le trajet entre mon domicile et le lycée. Pas d'autre choix, il n'existe aucun autre lycée qui propose ce type d'aménagement en banlieue parisienne. Fermer une classe au lycée Georges Brassens, c'est réserver cette élite aux élèves parisiens et refuser cet accès aux élèves de banlieue dont je fais partie. J'ai eu la chance d'en bénéficier et aujourd'hui je peux faire de ma passion un métier et une profession. Bonjour, je m'appelle Ornella, je suis étudiante en musique. Je suis très très épanouie dans ce que je fais et ça je le dois en grande partie à Brassens qui m'a permis de m'ouvrir, d'avoir du temps pour travailler, pour progresser. J'ai pu là-bas rencontrer des gens qui partageaient les mêmes centres d'intérêt que moi, ce qui est très très important dans l'épanouissement professionnel et personnel. Et voilà, et déjà que c'était bien bien compliqué d'arriver à Paris en venant du 93, fermer une classe sur Paris, je trouve ça assez scandaleux, sachant qu'on n'a pas de classe à réaménager dans le 93 pour le lycée. Bonjour, je suis Lola Malik, violoncelliste et ancienne élève au lycée Georges Brassens. Ces classes CHAM étaient indispensables à mon apprentissage musical, réellement approfondi, pour ensuite pouvoir en faire mon métier. En fermant ce cursus, attention à l'appauvrissement général de l'apprentissage musical, attention aussi aux motivations des élèves qui sont déjà en conservatoire, parce qu'on ne peut pas tout faire dans une journée, et attention aussi à la qualité musicale dans les générations futures d'artistes. Aussi, attention à ne pas donner priorité complète aux élèves venant d'institutions telles que CNSM, CRR de Paris. Il est important que les lycéens aussi venant de banlieue et d'ailleurs puissent accéder à ces classes CHAM pour pouvoir eux aussi être musiciens plus tard. Donc je pense qu'il est indispensable que cette classe puisse réouvrir et que ce lycée Georges Brassens et ses classes à horaires aménagés restent accessibles à tous et toutes. Toi, mon frère, tu es venu sur la terre à partager mes galères. Je m'appelle Fanny Derruol, j'ai fait horaires aménagés musique de mes 8 ans à mes 18 ans. Ce temps comme percutant. Je suis devenue comédienne et metteuse en scène et maintenant je me remets depuis quelques mois à la chanson. Et je voulais dire à quel point c'est des études qui m'ont sauvée. Ça a été très très important. Ça m'a permis de m'exprimer tellement pour dire mes failles, mes colères, mes injustices, mes faiblesses. Je rêverais que ça soit même national, tellement ça a été fort. Et qu'une classe, il ne faut surtout pas l'enlever, il faudrait en mettre des centaines. Bonjour, je suis une ancienne élève du lycée Georges Brassens, je m'appelle Garance Van Winsberg. Je suis guitariste et professeure dans deux établissements parisiens. Je m'adresse à vous suite à tout ce qui a été décidé ces derniers mois. Je trouve impensable de priver toutes les nouvelles générations, les plus jeunes, de cette classe à double cursus et de ne pas leur laisser la chance de pouvoir bénéficier de ces horaires aménagés qui m'ont permis de faire de la musique mon métier aujourd'hui. Voilà, merci. Bonsoir à tous, je m'appelle Nora Amouma et je suis flûte solo à l'Orchestre Symphonique de Mulhouse depuis bientôt 15 ans. J'ai été élève au lycée Georges Brassens, promotion 2003. J'ai choisi ce double cursus afin d'avoir suffisamment de temps pour travailler mon instrument de musique, la flûte traversière. C'est grâce à ce temps précieux que j'ai pu préparer les concours d'entrée au CNSM, mais aussi participer à des concours nationaux de flûte. Je trouve qu'il n'y a vraiment pas assez de classes à double cursus au regard du nombre de jeunes artistes qui souhaitent vivre de leur art. Vous devez, c'est un devoir, soutenir ces jeunes artistes en herbe
qui, par leur passion, leur créativité, leur talent, apporteront de la joie et du bonheur à tous ceux qui viendront les voir lors de spectacles, de concerts ou même lors d'un cours aussi. Bonjour, je m'appelle Éléonore Marmoret et j'ai été de la 6e à la terminale en horaire aménagé à la maîtrise de Paris. Vivant en banlieue parisienne, le lycée Georges Brassens, ça a été pour moi une solution afin de continuer la maîtrise durant toute la période du lycée. Sans cet établissement, j'aurais dû reprendre les cours dans mon lycée de banlieue, j'aurais probablement arrêté la musique et raté mon bac. Aujourd'hui, la musique, c'est mon métier, c'est ma passion, et c'est grâce à des établissements comme le lycée Georges Brassens que j'ai pu, moi, m'épanouir et grandir dans la musique et dans ma passion. Bonjour, je m'appelle Elsa Hérault, je suis rentrée au lycée Georges Brassens en tant que danseuse sur glace. J'avais commencé à l'âge de 6 ans et à ce moment-là, je devais faire entre 3 et 6 heures de sport par jour et une dizaine de compétitions par an. Donc, il était indispensable que je rentre dans ce lycée pour pouvoir continuer de vivre de ma passion, en fait, et avoir de l'espoir, en fait, simplement pour l'avenir qui était, pour moi, la danse sur glace. Pour moi, un artiste, c'est quelqu'un qui partage ses émotions, en fait. Donc, à travers la danse, à travers la musique, à travers la peinture, on apprend à explorer ses émotions, à explorer les émotions des autres, et c'est indispensable pour la vie de tous les jours, je pense. Brassens m'a permis de croire en mes rêves, en fait, de continuer à croire en mes rêves, et ça m'a donné cette capacité-là, même pour la suite. Voilà. Prise de parole d'une ancienne élève du lycée Georges Brassens. Moi, c'est Camille Lévesque. J'ai grandi en banlieue parisienne, dans le 93, quartier pas tout à fait favorisé. J'avais pas des super notes, 12 de moyenne. Et j'ai malgré tout réussi à rentrer au lycée Georges Brassens, ce qui m'a permis de réaliser mes rêves et de vivre maintenant de ma passion. Je fais des spectacles, je bosse pas mal en orchestre, je donne des cours de harpe, etc., etc. Et surtout, qu'est-ce que ça fait tout ça? Ça rend heureux les gens. Alors pourquoi ne pas continuer ?